66,6. J'aime pas ce chiffre. Et en plus, on est au boss de la mort. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Ça va gérer, je l'ai en tête. Par contre, je vais avoir un truc, tu es. Mais sans regarder. Ok, 507, 510, ok, ça on s'en fout. 405, 420, ouais, là, on va pas changer là. Ah non, on est bien là. On ne va pas changer. On ne va pas changer du tout. Tout a l'air de bien aller, hein. Tranquille, hein. On commence tranquille, doucement, hein. Tranquille. Voilà, on y va quand même. Je dois commencer doucement, mais il n'y a pas le temps en fait. Bon, normalement, je l'ai bien. Hein. Je l'ai bien comme il faut. Merde, ah. What? Manette de merde. Faut que j'y change de manette. Putain, faites-moi penser dans les commentaires, les gens. Change de manette, bordel. Change de manette, nono, quoi. Putain, j'y pense jamais, quoi. J'y pense quand je suis en live, quoi. C'est un truc de malade. Ok. Première phase. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Première phase. Oh. Faut absolument que j'y pense de changer de manette, à ma parole. D'ailleurs, j'ai bien fait de mettre pause, parce que pour la deuxième phase, je voulais changer de carte. Je voulais mettre... du fire. Je pense que ça peut lui faire plus de dégâts.
On va vérifier ça de suite. Et on y va! Allez! Ouais. En vrai, ça lui fait pas trop. Tu vois quoi, connard? Merde, ah j'ai oublié ça, c'est vrai. En étant un peu plus patient, peut-être. Ok, partie de chauffe. Hein. Partie de chauffe. On va la voir, hein, je vous le dis. C'est moi qui vous le dis. On va la voir ce matin. Et très très bientôt. Ça, c'est moi qui vous le dis. Il commence à me gaver. On a vu pire comme boss, hein. On a vu pire. Donc, à moi de me concentrer aussi un petit peu. Super. Mais même en te concentrant, des fois, hein, c'est nimp. T'as déjà vraiment urgent que je change de manette là, mais vraiment. Je vous jure, c'est pas des blagues. Ah merde, je me suis trop approché, putain, sérieux. Je me suis trop approché. Là, c'est de ma faute, hein. Je fais des erreurs bêtes des fois quand même. Fais des erreurs de débutant des fois. C'est vrai qu'il est casse-couille. Bon, il est pas très dur, hein. Il est casse-couille. De toute façon, dans tous les Castlevania, hein, où il y a ce boss là, où il y a la mort, franchement, c'est la même merde. C'est la même merde. Ah là là, mon bouton il commence à rester coincé, les gars. Je vous jure, c'est pas au petit, hein. Mais alors, pas du tout, quoi. Putain de bouton de merde. C'est hallucinant.
Ah! Ah, bon, ouais, je m'attends. Putain de bouton! Oh là là, comment il fait super mal en plus. Oh là là. Aïe aïe aïe, je suis mort. Ouais. Ah là 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 là. On va tester un petit truc. On va arrêter de perdre du temps. On va prendre le Luck Ring. On va essayer de farmer vite fait un petit truc. On reprendra. On va voir. On va essayer de farmer au moins une petite potion ou deux là. Et c'est de la merde. Je dois pas être au bon endroit pour farmer de toute façon, mais bon. J'ai l'anneau de la chance. On m'a conseillé de le mettre. Éventuellement, si j'avais au moins une ou deux potions, ce serait génial. On perdrait moins de temps, on va dire. Enfin, je l'ai bien mis au moins. Ouais, le ring. En sens, ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'être un petit peu de la merde. Ok. Putain, mais il donne que là, c'est de la merde. Level up déjà, bon, c'est déjà pas mal, hein. Déjà, un petit peu plus de force. Ça peut faire la différence. Clairement. Bon, c'est pas ça qu'on cherche. Mais c'est bien déjà. Il donne rien, c'est de la merde. Celui-là, on est parfait comme ça. On va refaire un petit coup. De toute façon, on a la save juste à côté, donc. Ah. Voir éventuellement. Tac 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 tac. Je peux plus aller nulle part. De toute façon, j'ai tout exploré. Hein. Au max. On va pas trop s'éloigner. Ça sert à rien.
Juste voir. Je suis comment là? Tac, 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 tac. Ok. On va pas s'amuser à faire que ça, hein. Pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Hein. Déjà, ça fait un petit peu plus. Ça fait un petit peu plus mal. Ouais, ça fait un petit peu plus mal quand même. Y a pas photo. Je vous jure la manette, les gars. Ah! Ah! Rainbow Robe. Rainbow, 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 Rainbow. On est à 415, hein. 530 en défense. Hey! Mais par contre, on perd 10 en force. Par contre, en intelligence et en luck, on ramasse, hein. On va le prendre tout de suite. On va pas trop descendre quand même, hein. D'accord. D'accord. Eh, franchement, les gars. 405, 530, on a gagné plus de 100 en défense. Eh. Ça, c'est super bon. On va continuer un tout petit peu à farmer. Parce que là, du coup. Je suis assez étonné, là. Je suis assez étonné de la cape que je viens d'avoir, quand même. C'est ouf, ça nous a augmenté de 100, quoi. Donc. Regarde, mais hey, putain. Je vous jure, cet après-midi, je change de manette. Je vous le dis tout de suite. Là, je vais y penser. Là. Je change de manette cet après-midi. Ah là, oui. Ah là, oui. Ça va plus, là. J'ai beau rester enfoncé, c'est juste dingue. Ce serait quand même bien une petite potion en vrai, hein. Je ne cracherai pas dessus. Une seule au moins une. Mais la robe là, c'est cool, hein. Pas, 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 pas. Enfin, la cape. Je comprends pas comment il peut me toucher. On a perdu un petit peu en force, mais bon. L'important, c'est quand même la défense aussi, hein. La force, la défense. Super important quand même. La défense, c'est. Pour le boss, c'est important. Putain, mais juste une petite potion, quoi. J'ai de la chance pour les cartes. Mais j'ai pas de chance pour les potions du tout. C'est un truc de malade. Un truc de niqué, comme on dit. C'est un truc de niqué. Écoute, on a le temps, hein, tranquille, pépère.
Oh! Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Chaîne mail. C'est ça que je viens de voir. 490. Non, c'est la merde. Par contre, ici. $550 en défense, mais ça nous enlève pas mal, hein. Ah! Manette de mes couilles. D'accord. Et là, j'ai ça, mais voilà quoi. Non, bah pour l'instant, voilà quoi. Qu'est-ce que ça faisait, ça, le chaîne mail, là? Non. C'est pas. C'est de la merde, en fait. J'ai eu de la merde, en fait. Mais bon. Je comprends pas. Je me baisse et il arrive à m'avoir quand même. On va faire encore un petit peu, hein, pas longtemps. Bon, déjà, on a level up. Et on a augmenté en défense de 100. On va pas se plaindre du tout, quoi, pour l'instant. Et encore un level up. Bon, parce que la prochaine, on l'a. On n'est pas loin déjà à chaque fois. Hein, donc. Faut en vouloir quand même, hein. Mais bon. On va sauvegarder ça. On est bien, on est bien. De toute façon, regarde, on est level 28 là. 415, 540. Ah, on a augmenté de 110 en fait. Ouais, c'est ça. Tac, 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 tac. Alors, on va faire encore un ou deux petits coups comme ça. Histoire de voir. Que bon. On a level up deux fois en force quand même. Et on a une bonne petite robe. C'est pas négligeable. Pour ce boss qui est pas dur, mais chiant. Si je pouvais avoir juste une petite potion, ce serait génial. Je demande pas la lune. Depuis le début du jeu, je bats tous les boss et je fais tout le jeu sans potion. J'en ai peut-être eu 3 potions que j'ai utilisées, mais alors dans des moments critiques. Ceux qui ont fini le jeu et qui ont farmé les potions, bah je comprends mieux que ce soit plus facile, forcément. Et Nono, il se la joue un petit peu à la hardcore quand même. Pour pas changer que. Mais bon, d'habitude j'aime pas farmer, hein. C'est pas mon trip, mais alors vraiment pas mon trip. Mais bon, ça peut aider des fois aussi, hein. Alors j'ai remarqué, il drop un item au bout de 5 fois. Apparemment. Pas lui en tout cas. Là, ça fait combien de fois là? 4. Au revoir. Ok. On va faire jusqu'à ce qu'il drop un dernier item, après on se casse. On va pas faire non plus que ça, clairement. Ah! Ça on l'a. On l'a le Cursed Ring.
Ouais, là, ok. Je comprends un peu, mais... Putain, il n'a rien droppé, enfoiré. Ah, on a déjà eu, merde. Et merci pour ton follow, Lunar. Lunar, Undeprived. Undeprived. Encore un petit peu, un petit peu, un petit peu. Pas longtemps. Après, on va aller lui faire sa teuf. On va le faire jusqu'à ce qu'on level up encore une dernière fois, tiens. Pas super loin. On est combien là? Ouais, c'est... Ok, on va le faire une dernière fois jusqu'à ce qu'on relevel up un petit coup. On est vraiment pas loin donc. Mais bon, on a cette magnifique magnifique musique, hein, donc bon. Hein, ça comble le truc, quoi. Comme on dit. Musique de Super Castlevania 4. Et plutôt bien faite pour de la GBA en vrai. Je préfère celle de la Super NES, mais bon. Franchement, c'est très très proche. C'est très proche. Hey, salut GG, ça va et toi? Voilà, on farme un petit peu, hein. Jusqu'à ce qu'on level up encore une fois, et puis après, c'est bon, quoi. On est comment là? Ouais, il nous reste 229. Hein. Bon. Ah bah ouais, ah bah voilà, level up. Bon, c'est cool. On va se faire lui quand même pour voir s'il drop quelque chose. Et là, on est à un boss en fait, là. Un boss pas dur, mais chiant. Ok, bon, allez, save. Qu'on est level 29, hein, c'est pas mal. On a gagné beaucoup en défense. Je pense que là, on peut se le faire. Pas toujours mieux. Hein. On a level up 3 fois. On a gagné en défense. Je pense que ça peut gérer là. Si je fais pas le fou, ça peut gérer. Mais non. Je peux pas me permettre de me faire toucher avant le boss, hein, je peux pas. Je peux pas me permettre. Peut-être que si maintenant, mais je prends pas le risque. Tout simplement. Je ne prends pas le risque. Voilà. Bon, on va essayer de lui ouvrir son anus à lui. Bon, déjà, on lui fait plus de dégâts. Hein.
On a plus de défense aussi. Merde, dommage. Là, c'est ma faute. Dommage. Dommage, ça aussi. Voilà, deuxième forme. Donc on va se mettre là, nous. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas. Voilà. À 22, c'est pas mal. Merde. Chaud. Ça, c'est pas bien que ça fait ça. Ouais. Et je me suis fait trop toucher aussi. Ah, mais ça va, c'est déjà mieux. On lui fait vraiment beaucoup plus mal. C'est déjà pas mal. Ça, on l'a déjà eu. On bat les couilles. Waouh. Wow. On va essayer de farmer encore un petit peu. Ah, ici, c'est pas mal pour farmer ici. Ici, on peut peut-être avoir des cartes. Bien peut-être. Trois coups maintenant. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour la deuxième forme. On va voir ça. Ok. Celle-là, c'est des sacs à PV de fou. Salut Venom, tu vas bien? C'est vrai qu'ils avancent, c'est con. Après, on va lui rouler dessus au boss. Ouais, ça va nickel. Hein. C'est vraiment des stacks à PV quand même. Hein. C'est pas mal pour farmer le level, ça, par contre, ici. On lui fouette le cul là, tu vois. Bien comme il faut. Ah! Nouvelle tunique.
445, mais par contre, on baisse en défense, par contre. La force est importante aussi. La force est très importante. On baisse pas mal, par contre. Mais bon, la force est importante, hein. La force est importante, mais ta gueule. Putain de manette. 460, 500. Eh. Super propre. Hein. Ah, c'est beaucoup plus équilibré quand même. On va mettre ça. Là, je pense que là, on est bien, là, quand même. Ok. Pas grave. Et là, on a beaucoup plus de force, quand même. Hein. Ça s'en ressent. On a combien en niveau? Oh non, là c'est trop là. On est quand même un peu mieux, hein. On va pas se cacher. 460, 500. En luck, on n'a pas. Hein? Ah bon. C'est pas grave. Fils de pute. T'arrêtes, hein? Je peux pas me permettre d'arriver au boss en m'ayant fait toucher. Regarde, on sait jamais ici, des fois il y a des trucs. Là, en l'occurrence, il n'y a rien. Bon, on va se faire ouvrir le fion. Est-ce qu'on va se faire ouvrir le fion, les amis? 33, on lui enlève là. Tout à l'heure, on lui a enlevé 28. Hein. Dommage ça, que j'ai fait ça, mais. Mais putain, mon bouton il reste coincé aussi! Oh ouais, ça! Regarde ça! Ah là là! Ça fait super mal, quoi! Ah, déjà, deuxième phase, déjà! Par contre, je vais changer de carte! Pour la deuxième phase, mais qu'est-ce que je peux mettre d'intéressant? Éventuellement. Je vais voir un truc. Hein. Ah, ça peut être pas mal, je sais pas. Hein. Ah oui, 32. Ah merde, il touche comme ça, lui. Merde, dommage. Ah là là, je l'ai pas, hein. Cette phase-là, je l'ai pas. Hein. Oh.
Ah, dommage! Salut, Jean-Sébastien Bach! Ok. Mais on est pas mal hein, quand même. Donc là, pour ça, oui. Et après, on mettra. Après, on mettra celui-là pour la deuxième phase. On a vu, hein, c'est top. On va essayer de pas se faire trop toucher alors à la première phase. Et je pense que là. Logiquement. Merci pour le follow, Wazir. Ok. On est vraiment pas loin de l'avoir, les amis. Ce serait mieux si mon bouton ne buguait pas quand je tape. Mon bouton reste enfoncé, les amis. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Qui m'énerve, c'est qu'il est pas dur en plus, quoi. Il est juste chiant. Ah, c'est pas si long que ça. C'est le même boss que hier. Il est si dur que ça. Bah, il est pas dur, je dis. Il est chiant. Il est chiant. Il est pas dur. C'est la deuxième phase que j'ai du mal. Tu comprends? Comprends-tu? Mais moi, j'utilise pas de potions là, comme vous, les petits joueurs. Vous me faites rire. On sait faire un truc là. Merde, il l'a fait, je me le suis pris dans la gueule, évidemment. Mais bon, là j'avoue que je ne serais pas contre une ou deux potions. Pour le coup. On n'est pas loin de l'avoir là. Hein. Pas de liste, il n'y a pas de liste. Tu proposes ce que tu veux, mais rétro. Hein. Donc, des premiers ordinateurs jusqu'à la PlayStation 1. Voilà. Rétro, quoi. PS2 même si tu veux. Jusqu'à la PS2. Ah, des premières consoles jusqu'à la PS2. C'est rétro PS2. Et pas de souci. Tu proposes ce que tu veux. Alors réfléchis bien. Réfléchis bien, te précipite pas. Bah, sur la vraie console, quand j'ai les jeux et les consoles. Sur la Super Rétropie, quand j'ai pas les jeux et les consoles. Mais en général, je fais tout sur vraie console. Hein. Vraie console, vrai jeu. Mais pour toi, ça change rien. Mais moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne, quoi. Là, j'ai pas le jeu et j'ai pas de Game Boy Advance. Donc c'est pour ça que je le fais sur la Super Rétropie, celui-là, quoi. Et si le jeu, il vaut 1000 euros ou 500 euros, évidemment, je vais pas me l'acheter. Moi, je fonctionne pas comme ça, quoi. Mais en général, je fais tout sur vraie console et vrai jeu. Bah, tu me demandes. Sais, t'as même pas à éviter quoi que ce soit. Tu me demandes si je l'ai déjà fait et puis je te réponds tout de suite. Mais ouais, réfléchis. Réfléchis. Réfléchis bien.
Bah, c'est pas question que c'est dur, c'est question que faut le matériel et faut la bourse, hein. Faut l'argent, hein. Pour streamer de la Game Boy Advance sur Twitch ou n'importe quel autre support, faut le Game Boy Player qui se met en dessous de la Nintendo GameCube que j'ai. J'ai pas le Game Boy Player, j'ai la GameCube mais j'ai pas le Game Boy Player. Et le Game Boy Player faut un CD avec. Et pour le trouver, le Game Boy Player déjà c'est pas évident. Et après faut mettre le prix quoi. Donc non, c'est pas dur, mais c'est une question de prix, quoi. Une fois que tu l'as, c'est une question d'argent et il faut le trouver aussi, avec le CD, sinon ça marche pas. Sinon, bah, comme tu le vois là, sur la Super Retropie, tu vois. Je passe jamais par l'émulation PC, hein. Si je fais de l'émulation, ce sera sur la Super Retropie. Cette console-là, pour ceux qui ont toujours pas compris ou toujours pas vu. Voilà. Là, on est sur ça, là, tu vois. C'est une console où il y a 56 supports rétro et 45 000 jeux. Donc ça dépanne bien quand t'as pas les jeux et les consoles, quoi. Ça dépanne plutôt pas mal. Un prix aussi. Non, jamais Jean-Sébastien Bach. Je l'ai testé à l'époque. J'ai jamais fini. De toute façon, les jeux des viewers, en général, on les finit pas. On consacre 2-3 heures de live par jeu des viewers, sauf des jeux comme ça, évidemment, qui sont rares, enfin vous voyez ce que je veux dire, où il y a une notion de pourcentage, enfin, ça dépend. Par exemple, à Resident Evil 2, je vais le finir, même s'il était proposé par un viewer. À Castlevania comme ça aussi. Voilà, d'autres petites choses comme ça. Si c'était un versus fighting, par exemple, Flashback, si tu me le proposes, vu que je ne l'ai jamais fini à l'époque, on le finira. Alors, je te dis pas quand. Alors, pour choisir, par contre, il faut que tu valides tes 15 000 points de chaîne. Hey, yo, mon petit Rémi, comment vas-tu? Voilà, très bien. Et tu me marques le titre du jeu. Et tu me le mets en privé aussi, Jean-Sébastien Bach. Tu me le mets en privé. Ça va super, ça va super. On souffre un peu sur le boss, là, malgré qu'il n'est pas dur, mais il est chiant. Il est chiant. Il n'est pas dur. Donc on farme un petit peu. Ouais, en privé, en MP, tu cliques sur mon pseudo et puis tu tapes Nono Rétro hein, dans la recherche. Tu me chuchotes ça, quoi. Parce que le chat va défiler, mais je vais pas oublier. Hein. C'est pour être sûr de ne pas passer à côté. Flashback, bah, déjà, tu m'as pas dit sur quel support tu veux que je le fasse, Flashback, déjà. Voilà. Dis-moi, j'oublierai pas, t'embête pas avec le privé. T'embête pas. Dis-moi juste SNES ou Mega Drive, comme tu veux, hein, c'est toi qui choisis. Hein. C'est tes points de chaîne, c'est toi qui choisis. Bah comme tu préfères, SNES. Bah non, non, c'est toi, c'est toi. Non, non, moi je n'ai aucun choix à faire pour les points de chaîne. C'est toi le patron. Pour ton jeu et ton support, c'est normal. Pour la fidélité des points, donc. Non, non, c'est toi le chef, là. Ah bah écoute, parfait, j'ai envie de te dire. Ok, c'est noté. Je le noterai dans la liste des jeux des viewers qui est juste en dessous du live. Pour ceux qui sont sur PC. Et ceux qui sont sur téléphone, bah, vous avez juste à cliquer sur à propos. Vous verrez tout. Téléphone ou tablette, hein, d'ailleurs. Parce qu'on m'a déjà demandé comment on fait quand on est sur téléphone pour voir la liste des jeux ou les descriptions, tout ça. Il faut cliquer sur à propos, c'est tout. Et sur PC, t'as juste à descendre, hein. Aussi simple. Tu vois, il y en a quelques-uns, mais on a vachement descendu la liste des jeux des viewers. Hein. Mais j'ai des jeux en cours moi-même aussi, donc. Mais celui-là, voilà, je veux le défoncer. En plus, je le découvre. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème, Jean-Sébastien Bach. Flashback sur SNES. Alors, je te dis pas quand. Il y a des gens avant toi. Donc, j'essaie de faire dans l'ordre, tu comprends? Je dis jamais quand. Bonsoir. Salut Bernard, ça va ou quoi? Impeccable, j'ai des super souvenirs sur ce jeu, ça va être cool de le revoir. Il n'y a aucun problème. Moi, ça va me permettre de le finir, tu vois. Alors, je réexplique bien. Un jeu comme Resident Evil 2, je vais le finir. Un jeu comme Castlevania, comme ça, je vais le finir. Un versus fighting, un beat'em up, si je le finis, je le finis. Si je ne le finis pas, je ne le finis pas. Je consacre entre 2 et 3 heures par jeu du viewer, par live. Mais une fois. Mais si je décide de le finir, bah, on se la joue comme pour Castlevania, Resident Evil 2 et autres.
Des jeux qui sont longs ou que j'ai déjà fini ou même que j'ai pas fini. J'ai jamais fini Flashback, donc j'ai dû arriver à la moitié du jeu à l'époque, sur SNES. Hein. Mais excellent choix. Hein. Excellent choix. J'ai un bon souvenir dessus, mais j'avais lâché parce que j'étais sur beaucoup d'autres jeux. À l'époque, des bien plus. Qui me faisaient beaucoup plus envie, quoi. Donc, ouais. Tu as fait la version sur nouvelle génération avec le Rewind? Non, et puis je me servirai jamais du Rewind de toute façon. Ah, il n'y a pas de problème, Bernard, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a du Rewind, moi tu vois, même là, je joue en hardcore, pas de potions, puis il y a les succès qui sont en hardcore de toute façon. Donc... Voilà quoi. Voilà, c'est noté pour Flashback, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Bach, il a proposé Flashback. Sur SNES en plus. Alors celui-là, par contre, je vais essayer de me le choper pour te le faire sur la vraie console. D'accord? Comme je ne l'ai pas dans la collecte. On le fera pas sur émulateur, donc c'est pour ça que je te dis pas quand, il y a des gens avant toi. Il faut que je me le chope. C'est pareil pour Resident Evil 2, je vais le faire sur la PS2. En mode PS1. Ça, je l'ai promis au viewer concerné, il me l'a demandé d'ailleurs, il me l'a demandé. Hein. Il y en a qui préfèrent que je fasse sur support réel comme moi. Il y en a, ils s'en foutent. C'est exactement, exactement. Et un bon jeu en plus, pas des moindres, et je sais qu'il vaut pas grand-chose. Il vaut pas grand-chose. Je vais me le choper en loose, hein, après la boîte. Moi, je m'arrange, hein. Ça, c'est pas un problème. Ouais. En général, pour les jeux SNES, tout ça, moi, je me les chope quand même. Hein. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois pour vous. Hein. Et pour moi, hein, parce que voilà, comme tu dis, un jeu de plus dans la collecte. Puis voilà quoi. Ouais, je vais me le choper dès le début du mois prochain. Hein. Je te dis pas qu'on le fera dès le début du mois prochain, mais c'est noté. Il sera fait. Il sera fait, on le fera sur la vraie Super NES. Qui est ici. Voilà. Je te montre à toi, en général, tout le monde le sait, hein. Enfin, ceux qui me connaissent. Toi, tu sais pas, toi. T'es assez nouveau. Donc voilà, on le fera sur la Super NES. Évidemment. Même moi, je préfère de toute façon. Hein. Même moi, je préfère. Salut, Stinfo, comment vas-tu? Bon, on reprend le jeu, les amis. Voilà, c'était la petite pause clope, la petite pause explication. Voilà, tac, tac, tac. Non. Non. Hors de question, vu que c'est ma console de cœur. Et la meilleure console pour moi. Toute console confondue. Je ne voulais pas d'une jaune pipi. Hors de question, j'ai été patient. J'ai eu un bon prix en plus, putain. Je vous jure, mon bouton. Faut que je change de manette, les gars. Hein, ça devient urgent. Mon bouton reste coincé, quoi. Je vous le jure. Pas les conneries, ouais, là. Eh? Ça, faut éviter à tout prix. On peut se faire toucher par les faux, mais... Voilà, deuxième phase. Ça, la deuxième phase, j'y arrive assez facilement. Pas de problème. Après, ça devient chaud. Donc, voilà quoi. Mais comme d'hab, ça finit toujours par passer. Hein. Ah, elle est pas jaunie du tout, ma SNES. Hein. Elle est blanche.
Ah, GG. Après, je suis pas très console portable, mais la Game Boy, j'adore. La Game Boy Advance, j'adore. Et la Game Gear, j'aime bien. J'ai des souvenirs dessus. Je l'ai eu, donc j'ai forcément des souvenirs dessus. Bon prix, bah, ça dépend. Hein. En loose, en boîte, l'écran, faut voir comment il est. Est-ce que tu as le cache-pile? Est-ce que c'est pas oxydé par les piles? Voilà quoi. Je suis assez maniaque, moi aussi, donc bon, voilà quoi. Reconditionné? Allez, change de carte, mon pépère. Oh, je l'ai évité, super. Dommage ça. Je m'approche trop. Ah, dommage. Là, fallait que je profite pour sauter avec le damage. Je sais que je peux l'avoir. Allez. Et vous voyez, j'ai pas de potion, hein, rien. Non, je suis deg de la life. Merde. Condensateur, tu veux dire? Ah, ça va, hein. En loose, en boîte. Après, moi, les consoles, je m'en fous qu'elles soient en boîte ou en loose, personnellement. Personnellement. La Super NES, je l'ai pas en boîte, la GameCube non plus, la PS2 non plus, j'ai que la 360 en boîte. Et encore, c'était même pas voulu. Hein. C'était même pas voulu. Hein. On me l'a filé comme ça en caisse, j'ai fait vas-y. Oh, les consoles en boîte, je m'en fous. Mais bon, j'aimerais quand même avoir le pack Street Fighter 2 pour ma Super NES. Hein. Là, je m'en fous pas. Un autre prix, quoi. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je veux le pack Street Fighter 2, celui que j'avais eu à l'époque. J'avais eu le pack Super Mario World aussi, mais on peut pas tout avoir. Là, c'est un autre prix. Je parle bien sûr pas de seulement la boîte, hein. Je parle un pack complet, quoi. Voilà, je parle d'un pack complet, quoi. Mon premier pack Super NES, c'était avec Super Mario World. Bon, il est très basique, très classique, hein. Voilà. Ça, c'est mon premier pack Super NES. Et le pack Street Fighter 2, je l'ai eu après. Et la boîte, elle était éclatée. Je l'avais revendue pour avoir une autre console, malheureusement. Ah, j'aimerais bien me la retrouver. J'ai regardé, hein, c'est 250 euros en très bon état, quoi. Un pack complet, hein, avec le polystyrène et tout. Et encore, c'est un très bon prix, hein, 250 euros. Hein. Très très bon prix. Alors, ce sera pas pour tout de suite, clairement. Les dead. Putain, j'étais bien là. Ça me gave, la merde. Il m'énerve ce boss à la con là. Le truc, c'est qu'il est pas dur, mais. Celle-là, ouais. Par contre, demande avant de mettre des liens, Venom. Bon, après, t'es modérateur, on se connaît, mais bon. C'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave, ça va, encore, t'es modérateur, bon, je sais qui tu es. Ça va, quoi. Ça va, c'est pas comme si c'était quelqu'un que je connais pas. Mais je vais pas regarder parce que ma connexion elle est pas super stable, donc dès que je rentre sur un autre site, c'est bon. Je regarderai plus tard. Mets-le-moi en privé si tu veux. En MP. Bon, on va essayer de se faire moins toucher quand même. Allez, concentré, hein.
Je sais à peu près quand il le fait, ça. Mon bouton est resté coincé, les gars. Encore. Putain. Cet après-midi, je change de manette. Hein. Ça va, vaut mieux se faire toucher par un hein, que par ce qu'il vient nous mettre, là. On est pas mal. On est même très bien. Hey, ouais, on est super bien. En vrai, on est super bien. Alors, la prochaine fois, c'est la console au prix où tu l'as dit. Ouais, d'accord. Ouais, Inch'Allah. C'est toi. Bon, Rémi, je sais pas s'il est encore là. T'as dû reconnaître la musique de Super Castlevania 4 dans le niveau juste avant d'aller au boss. Magnifiquement bien reprise d'ailleurs pour de la GBA. Bon, je préfère la version SNES musicalement parlant, mais propre quand même. J'ai halluciné, hein. Première fois que j'ai entendu. Enfin voilà quoi. Les petits détails. Mais les détails font toute la différence des fois. Ça va pour vous le live, tout va bien? Niveau son de ma voix, du jeu, d'image, tout ça. J'ai quelques petites pertes, mais ça j'y peux pas grand chose. En ce moment, je sais pas ce qu'elle a, ma connexion, c'est de pire en pire. Mais bon. Nickel. Bon. Bah écoute. Bon, on lui fait sa teuf ou quoi les gars? On n'a rien perdu comme énergie là, franchement. Merde, ah bah d'accord. Commence pas à faire le con, toi. Mais mon bouton est resté coincé, je vous le jure. On sait pas en faisant des 5 par 5 qu'on va arriver à quelque chose. Voilà, c'est ça qui est chiant. Non. Ah, oh, dommage, putain, je suis deg, sa race. Bah si, c'est chiant, tu vois, ça devrait pas se passer, ça m'énerve. Petit ralentissement de mes couilles, ouais. Putain, je te jure. Ah bon, je peux pas y faire grand-chose, malheureusement. Ah, il y a des choses, cet enfoiré. Hein. Ouais, je peux pas y faire grand-chose, hein, les gens, malheureusement. Donc, c'est comme ça, quoi. Ça monte, ça descend. Pff, voilà, quoi. Ça va pas bouger pendant une heure et puis après voilà quoi. Des fois ça bouge pas pendant voilà les heures et puis d'autres fois ben. Allez, on farme un petit peu encore. Je pense que j'ai pas assez farmé. Hein. Je pense que j'ai pas assez farmé moi. C'est ce qu'on a sous-entendu. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai. Hein. Je fais pas mal d'ennemis, mais c'est vrai que je farme pas tant que ça, finalement. J'essaie de faire tous les ennemis pour les cartes et tout. Je pense qu'il me manque des cartes aussi, hein, évidemment. Bon, ici, c'est pas mal pour farmer. Ça en fera plus de dégâts. Si on peut avoir une carte spéciale en plus, ce serait super.
Faut vraiment que je change de manette, hein, je vous jure. C'est pas facile. Pas de potion, manette dégueulasse. Rien pour réussir, quoi. Combien là? Ouais, ça va être long. Ça va être long. Ah, je vais plutôt reprendre ma hache. Bon, ça c'est de la merde. C'est pas la peine. Salut psychique en majuscule. Oh. Je pense qu'un petit level up et là ça devrait le faire, hein, je pense. Hein, pour le boss. On a le temps, on n'est pas pressé. Hein. On pouvait avoir un item aussi en même temps, ce serait pas mal. Un petit peu long, hein, je suis désolé, mais bon. Comme ça, Dracula, on va lui rouler dessus, comme dans Symphony of the Night. Eux, ils sont trop longs, et puis ils donnent pas grand chose en fait. Comment il va, psychique? C'est pas mal ici pour farmer en vrai. Hein. Moi, il me fait beaucoup penser à Symphony of the Night de Castlevania là, franchement j'ai été surpris. Beaucoup. Alors, on est en plus grand chose. En plus on va avoir un succès. Au niveau 30, on est combien? 29? Ouais, on va avoir un succès. Au moins, on a une super musique, hein, avec nous.
C'est déjà ça. Salut l'étudiant! Comment il va l'étudiant? Je joue en même temps et la mage est activée des fois. La mage. On farme un petit peu. Ah mais je sais, t'inquiète. Vous savez quoi les gars? Je vais couper et je vais relancer. Pour plus de confort, je vous dis à tout de suite.